J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs, scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Hello tout le monde. Depuis tout à l'heure, je reçois énormément de messages par rapport à la story qui a été postée par rapport à Aquababe. Vous inquiétez pas, je vais parler de ça, il n'y a pas de problème. Je décide de ne plus fermer ma bouche. Je vais dire certaines vérités, clairement. J'attends juste de voir les Calimero 2.8, ce qu'ils vont sortir ou ce qu'ils vont inventer sur mes côtes. Et ne vous inquiétez pas, j'assumerai tout avec justification, preuve à l'appui, vous inquiétez pas. Et que vous allez comprendre l'année que j'ai passée réellement. À fermer ma gueule, à protéger, à être vraiment psychologiquement atteinte, jusqu'à m'en vouloir et penser que c'était moi la cause du problème. Parce que clairement, déjà depuis la certaine bande annonce, tout le monde m'envoie des messages. Donc tout le monde m'envoie des messages. Je ne peux pas comprendre que ce genre de personne ose vraiment faire des choses comme ça, car de toute façon j'attends, je laisse parler et je vous jure que vous serez pas déçus. Et comme vous savez très bien, je suis pas là à mentir, j'assume tout, entièrement tout, et je vais tout vous expliquer dans les détails, ne vous inquiétez même pas. Vraiment, pour le coup, j'ai fermé ma bouche. Et ah oui, la plupart du temps il y a une question qui m'a été posée, c'est: Sarah, est-ce que tu as maigri parce qu'on te l'a demandé et à cause de cette personne? Aujourd'hui, je vous réponds que oui. Et je suis partie jusqu'à me faire vomir pour atteindre le poids que la personne m'a donné. Donc voilà, restez branchés, vous inquiétez pas, tout va se savoir. Déjà, de base, je ne peux pas cautionner avoir été utilisée pour se faire un peu une carrière. Que derrière, on m'a brisé en amour. Ah. Chaque chose va revenir à sa place, en fait. Parce qu'arrivé à un moment donné, c'est pas parce que la gentillesse des gens vous couvre maintes et maintes fois que vous pouvez vous permettre de mentir sur leur côte, en fait. Ça, c'est no way. Je ne laisserai pas passer ça, en fait. Donc là, comme vous l'avez vu, une première vidéo vient de sortir et ce sera pas la seule. Donc j'attends de voir clairement les larmes de crocodile, celles que j'ai reçues aussi par message ou sa force, les trucs comme ça, comme vous l'avez vu hein, déjà sur une interview de Sam Zira où ça se force à pleurer. Et vous inquiétez pas, vraiment pour le coup là, je laisserai pas passer ça en fait. Et merci à quoi? En fait, j'avais tellement supplié de pas sortir certaines choses. Aujourd'hui, c'est en dehors d'être un blogueur, c'est une personne qui m'a eu au téléphone, qui m'a entendu pleurer maintes et maintes fois. Merci d'être humain. Merci de dans ce monde de ouf, d'avoir des vrais amis, d'accord? Pas des gens qui cherchent juste à s'exposer. Et je pense que là, cette semaine, elle va être drôle dans le sens où je vais entendre énormément de mensonges. Mais j'ai plus d'une carte à ma main. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez vraiment pas. Les amis, laissez le faire le temps. Laissez les gens parler, s'exprimer. Et ne vous inquiétez pas que moi, ma langue ne va pas se tenir. Je vous le dis vraiment. Mais vraiment. Parce que ce que j'ai subi, la vie de ma mère, que wallah qu'il n'y a personne qui le sait. Vous savez quoi? Avant, je pensais être quand même tombée sur des pervers narcissiques et des manipulateurs. Mais vraiment. Mais là, on a atteint le summum. Vraiment le summum. Et je vais vous dire des détails. La vie de ma mère, vous allez tomber de haut. La tête de ma mère, que vous allez tomber de haut. Parce qu'en fait, j'ai trop voulu fermer ma bouche. J'ai trop voulu penser aux autres. J'ai trop voulu protéger. Mais protéger quoi? Qui m'a protégé, moi? Hein? Tous les jours, qui essaye de m'atteindre, de me toucher? Mais voilà, accroche-toi, mon grand, accroche-toi.
vous savez pourquoi ce genre de personne se permet de faire ça? Parce qu'en fait, quand je les rencontre, ils voient très bien la bonté que certaines personnes essaient de me faire du mal. Et à chaque fois, je répète toujours la même phrase. Dieu est grand. Dieu est grand. Ça va se payer un jour. Mais en fait, si j'ouvre pas ma bouche et que la personne se permet, mais se permet vraiment de me faire passer pour la mauvaise, et la personne a vu de ses propres yeux, on... Bref, les amis, on attend. On attend bien même. C'est quoi ce délire? Parce que là, ça va vouloir me faire passer pour une mytho. Ok, pas de soucis. Faut s'accrocher. Faut vraiment s'accrocher.